Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Brigitte. Bonjour à vous et bonjour Pascal. Bonjour. Écoute, je vais vous proposer un classique de la magie. Et avant de commencer, je vais te présenter mes cartes favorites. D'accord. Alors, l'As de carreau. D'accord. Et l'As de pique. Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que ces cartes ont une particularité. Ah ouais ? Que je vais te montrer tout à l'heure. Je vais les laisser bien en vue. D'accord ? Bien. Maintenant, passons à la deuxième phase. C'est le jeu de cartes. Alors, je ne sais pas si tu le connais celui-ci. Non, pas du tout. Hein. Je le découvre. Aimes-tu les voyages ? Ah, j'adore ça. Voudrais-tu partir en voyage ? Surtout en ce moment. Oh, oui. Surtout en ce moment. Eh bien, oui. C'est très 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 bien parce que figure-toi que ici, j'ai un jeu de cartes. Oui. Avec, alors je vais étaler, des drapeaux. Sur chaque carte, il y a des drapeaux différents. J'avoue que... Je l'ai magique. Très bien. Et je te propose une expérience. Je vais étaler... Alors, tu prends ton temps. Hein. Je vais étaler les cartes une à une sur la table. Et tu me dis stop quand tu veux. Quand tu veux. Stop. Je pose celle-ci ou je la pose pas ? Celle-ci. D'accord. Je mets une première carte. Très bien. On va recommencer une deuxième fois ? Oui. C'est parti. J'étale. Et tu me dis stop. Stop. Celle-ci. Celle-ci ? Très bien. Maintenant, tout est fait. Oui. Je t'ai pas influencé ? Non, pas du tout. Tu t'es arrêté où tu voulais. Ça, c'est très important. Non, mais je teste. Bien. Maintenant, si j'étale les cartes, alors j'espère qu'on voit bien la caméra. Regarde, on retrouve les deux as. Oui, je les vois là. D'accord. Là. Oui. L'as de carreau. D'accord. Ouais. Et l'as de pique. D'accord. D'accord. Avec la carte à côté. Alors, regarde. Alors, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, ce que je vous ai pas dit aussi à vous, c'est que mes deux cartes favorites sont des cartes caméléons. Ah bon ? Figure-toi que si je prends l'as de carreau et que je le frotte sur le dos de cette carte, eh bien regarde, il se transforme. Oh mais... C'est le même drapeau maintenant. Non mais c'est incroyable. Pareil pour l'as de pique, regarde. Si je prends l'as de pique, je le frotte, eh bien tu vas pas me croire. Il se transforme aussi. Oh mais c'est génial. C'est joli hein. Carrément. Mais attention, tu t'es arrêté où tu voulais. Oui. Alors ce qui serait super rigolo, c'est que, regarde, la carte où tu t'es arrêté correspond à la famille de la carte. Oui. As de pique, as de trèfle. Concernant l'as de carreau, ce qui serait fort, c'est qu'il corresponde à l'as de cœur. C'est bluffant, franchement, je m'y attendais pas, quoi. Et tu peux regarder, hein, si j'étale le jeu... Il n'y a pas d'as supplémentaire. Non, j'avoue. Toutes les cartes sont différentes. Oh, non, mais c'est magnifique, c'est magique. Voilà, c'était un petit voyage avec des cartes, en attendant que les choses s'améliorent. Bien sûr. Alors, j'espère que l'effet vous a plu. Si ça vous a plu, likez, commentez et partagez aussi. Abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. En attendant, travaillez bien et on vous donne rendez-vous, Brigitte et moi, à la semaine prochaine. Allez, ciao les amis! Bye bye!